La parole est à vous et un micro qui est en train de circuler. Bonjour. Bonjour, je suis Zazon, je suis animatrice pour France 4. Je viens de la presse écrite en fait. Et pourquoi je vous parle de mon travail aujourd'hui? Parce que je travaille, enfin c'est tout nouveau pour moi le métier d'animatrice. Je travaille avec mon équipe qui est là. Et notamment, je travaille au HF. Donc j'ai un HF là et un ingénieur du son qui reçoit ce que je dis. Enfin là, j'ai un micro, mais vous voyez, si je parle sans mon micro, il m'entend très très bien. Et en fait, ce nouveau métier, si vous voulez, d'animatrice me projette dans une réalité qui n'est pas la mienne, qui est celle de la réalité de l'agent secret, si vous voulez. Et je voulais savoir si ce déplacement de la personnalité était quelque chose de fréquent chez les personnes qui, comme moi, travaillent au HF, ou si c'était quelque chose... Enfin, pour moi, c'est un petit peu schizophrénique, si vous voulez. Je voulais savoir votre avis de spécialiste, en fait. Alors vous vous adressez donc à plusieurs spécialistes, oui, possibles. En tout cas, c'est intéressant cette mise en abîme qui pose la question de qui parle et de qui entend par rapport à un colloque situé dans un lieu géographique et symbolique, Bibliothèque nationale de France, et où on peut effectivement se projeter dans d'autres espaces. Mais l'intérêt, c'est qu'on ne sait pas ce que l'on maîtrise, que l'on ne maîtrise pas, et qui maîtrise qui et quoi, oui, et par rapport à quoi. Mais en tout cas, ça nous intéresse parce qu'on aime les expériences et monde aime les expériences, ouais, nouvelles. La question, ouais, c'est est-il toujours le même, ouais, ou est-il déjà en train de devenir autre? Alors peut-être qu'effectivement, Pierre pourrait en dire deux mots, mais d'autres aussi pourraient rebondir sur cette proposition. Donc. Moi, a priori, je ne suis pas agent secret. Et après, ouais. On ne sait pas. Non, c'est, ouais, pas. C'est vous ça. Vous le dites, mais. Non, mais je me pose vraiment, en tout cas, pas la question de est-ce que je suis un agent secret, mais est-ce que je voudrais peut-être interpréter ce rôle d'agent secret? Est-ce que moi-même, enfin, la catharsis va tellement loin, si vous voulez, dans cette démarche que j'ai avec mon ingénieur du son, que je me demande si moi-même je pourrais peut-être interpréter une James Bond girl. Je laisse libre le public de son jugement. Casting aussi, il y a d'autres personnes qui sont en train de se... Il paraît que c'est un casse-tête, le casting, d'ailleurs. Ouais. En tout cas, c'est pour nous une excellente transition, puisque vous nous entraînez dans la fiction, sur les écrans, et que dans quelques minutes, il y aura la projection du film Bon baiser de Russie, donc From Russia with Love. Merci beaucoup. Parole au nom des organisateurs pour vous dire que troisième journée pour le casting se poursuit demain, pas à la Bibliothèque nationale de France, au Conservatoire européen d'écriture actuelle, 38 rue du Faubourg Saint-Jacques. Voilà, à demain. Excusez-moi, allô? Bah, si quelqu'un a des pistes pour le casting de James Bond, je... Si quelqu'un a des pistes pour le casting de James Bond, je... Si quelqu'un avait des pistes, voilà... Pour le casting de James Bond, je... Non ? Bon. C'est gentil. Bah, je vais leur demander s'ils ont des pistes. Oui, c'est moi qui ai... Ouais, vous n'étiez pas intervenant ? Vous n'étiez pas dans le... D'accord. J'étais intervenant que hier. Ah d'accord. Bah, vous avez peut-être des pistes, vous ? Parce que j'ai demandé, en fait... Si j'aimerais devenir James Bond girl, et j'ai demandé si quelqu'un avait des pistes en fait pour moi. C'est-à-dire? Bah je sais pas, s'il doit y avoir un casting ou quelque chose. Vous êtes pas au courant? Il faut avoir des infos sur la production. Ouais. Éventuellement, on peut la mettre en contact avec Laurent. Mmh. Hein, pour connaître un peu la prod. J'ai une carte, si tu veux, Pierre. De Laurent. Je vais mettre dessus. Non, mais je vais mettre sur la mienne. Alors, le numéro de la prod. Le numéro de la personne qui va vous expliquer comment ça fonctionne, parce qu'il est ici. Au niveau des castings. Qui a les contacts. D'accord. C'est le responsable des relations extérieures du club et qui a les contacts directs avec la prod. Il va vous expliquer comment ça se passe. Voilà. Il y a mes coordonnées derrière au cas où si vous avez, vous ne trouviez pas votre, okay, vos réponses aux questions. C'est gentil. Je vous en prie. C'est bon ? Merci beaucoup. Faites attention, faites comme si je n'étais pas là.
voiture. Oh! 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 O